Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette deuxième vidéo. Donc à la suite de la première vidéo, il y a eu quelques petits soucis. Donc voilà, donc pour cette deuxième vidéo, il y a bien sûr plusieurs choses à faire. Donc pour l'instant, on va avoir une aide pour construire bien sûr le fameux lit. Donc, on va d'abord sauvegarder. Hop, survival. Inventaire, donc, allez, on va dans l'inventaire. Atelier. Bon, on ramasse. Allez. Donc là, voilà, je vais agrandir ma maison. J'aurais dû le faire avant, bien sûr. Donc voilà, j'ai agrandi. Donc maintenant je vais pouvoir m'occuper de. Bon, il fait de nuit, donc pour l'instant on va attendre que les mobs ne viennent plus. Donc bonjour à tous, allez, on va faire un. C'est moi. Bon, j'ai pas. J'aimerais bien savoir comment on fait pour pouvoir changer la tête d'un personnage. Mettez-le-moi dans les commentaires ou envoyez-moi des liens. Donc ça va être difficile. Allez, on va creuser comme ça. J'ai jamais essayé, mais on va pouvoir. Ah, j'ai que 2 de laine. On va pouvoir faire du. On va mettre les pousses d'arbres là. Ah oui, donc on va pouvoir faire aussi un. Ah non, je suis bête. On va prendre les autres planches parce que j'en ai pas assez. Allez, un là. Donc on va faire le tour des 9 cases. On va tout remplir sauf une, celle du milieu. Et ça va faire un coffre. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire un entonnoir. J'ai jamais su comment faire, mais j'aimerais bien savoir. Je crois que c'est qu'on remplit toutes les cases sauf les deux du bas des extrémités et les deux du milieu à partir du haut. Donc je vous montrerai à un autre moment. Allez, on va faire une épée pour tuer des monstres et tout ça. Donc on va pouvoir faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? C'est en attendant que le jour se lève, il faut bien faire quelque chose. Donc voilà. Donc le jour s'est levé, on va pouvoir aller chasser un mouton. Donc il y a plusieurs types de moutons, il y a des moutons laine noire, grise, un autre un marron mais blanc. Tiens, il y en a un là. On va d'abord aller chasser, peut-être prendre des champignons qui servent à faire des soupes. Aussi, ça sert à faire des potions. Ça pourrait nous servir à un autre moment. Mais bien sûr, faut qu'on aille dans le nether.
Le nether est très important. Donc, ok, on va reprendre la partie. Donc voilà, donc j'ai tué mes moutons. Voilà. Donc là, les fleurs bleues, c'est comme je vous ai dit au début, de loin, on peut croire que ce sont du diamant. Bien sûr, comme le diamant n'est pas en extérieur, ça sert strictement à rien que je dise ça. Pourquoi je fais le tour d'ailleurs? Bon, je vais faire demi-tour. Ah, j'explore. Bon, c'est là où on vient ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Bon, franchement, on est tombé sur une bonne map. Malgré tout. C'est dommage de ne pas continuer avec ça. Bien sûr, j'aimerais bien savoir comment on utilise Fraps parce que pour l'instant j'ai utilisé un nouveau requirement. Ah, j'ai tué mon mouton, je l'avais pas tué, je croyais l'avoir tué. Bon, c'est bon. Allez, je retourne à la maison. L'avantage avec ça, c'est que je vais pouvoir faire des meurtrières et tout ça, et donc je vais pouvoir tuer assez facilement les mobs si je fais des meurtrières. Allez, donc maintenant. Le lit. Donc le lit est très simple. Vous remplissez le tréteil du bas avec du bois, des planches de bois, comme ceci. Et vous mettez ensuite de la laine de mouton. Très simple. Donc le lit, il faut le poser bien sûr au centre parce que sinon on va pas réussir. On ne peut pas le lire pour l'instant. On va pas dormir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir visiter le coin. Allez, on va plus loin. Donc le coin, bien sûr. C'est bien sûr, on est entouré que d'eau. Donc, une fois que j'aurai du fil, je vais pouvoir me construire une canne à pêche. La canne à pêche, elle sert uniquement à pêcher du poisson, des livres enchantés, tout ce qui peut y avoir des sticks, bien sûr, mais franchement, le meilleur de tout, c'est les livres enchantés. Les arcs enchantés, tout ce qui est enchanté. Et les armures, mais vous pouvez trouver tellement de choses que je pourrais pas tout vous dire dans une seule vidéo. Donc ça va bientôt être la fin. Donc je vais vous dire à bientôt donc pour de nouvelles aventures dans le World Survival. À bientôt. Vous pouvez liker la vidéo d'avant et cette vidéo. Au revoir. Likez et surtout vous pouvez aller aussi sur Facebook sur ma page officielle Shellman, donc plutôt Shellman Studio parce que elle marche plus. Au revoir.